Wesh la famille, alors dis-moi qu'est pas ça. C'est la merde depuis que la bague zone en passate. Sur la prod on fait du son de bâtard. C'est le son des crapules, un 3 pour tous mes spartiates, ouais. Salut internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale Kamoff. Comme vous pouvez l'apercevoir et comme vous l'avez vu dans le titre, je suis dans la peau d'un SDF aujourd'hui. Voilà, j'ai pris ce petit carton, je me suis enlevé les chaussures. Bon, je me suis mis une attelle. Bon, ça par contre je me suis vraiment fait mal, donc pour le coup c'est une vraie attelle. Et j'ai mis une casquette que j'ai trouvée pas loin d'une déchetterie. Donc on dirait vraiment que je suis SDF. On va vite tourner l'intro, j'ai pas trop envie que les gens me voient comme ça, on est en plein passage routier. Bref, je vais vous expliquer l'histoire. Il y a quelques années, donc ça va avant que j'ai Kamoff, tout ça, et avant que je travaille, j'étais inscrit à Pôle emploi, que ce soit pour le chômage, pour plein de choses, pour demandeur d'emploi, etc. Et un jour, un conseiller m'a très mal reçu et m'a radié de mes droits. Sans raison, il m'a dit qu'en gros je m'étais pas pointé, j'avais pas pointé sur internet, vous savez, alors que j'avais pointé, il m'avait radié de mes droits et j'ai pas eu mes droits pendant des années. Par contre, cette personne-là qui m'a fait ça, j'aimerais bien la retrouver et donc je suis parti à sa recherche, j'ai son adresse et on va s'y rendre. Je vais faire semblant d'être SDF devant chez lui et je vais faire en sorte de le croiser pour voir sa réaction, parce que c'était quelqu'un vraiment de méchant et j'espère qu'il a changé. Donc voilà, je mets pas tous les conseils pour l'emploi dans le même sac, mais en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui on va aller devant chez ce conseiller et on va faire semblant d'être SDF, et la suite faut regarder la vidéo pour la connaître. Je vous fais une grosse bise, souhaitez-moi bon courage et à tout à l'heure. Bon les gars, on est devant chez mon ancien conseiller. Je vais aller sonner chez lui et je vais m'asseoir et pour qu'il sorte en fait, parce que sinon je vais attendre trop longtemps ici. Donc allez, c'est parti les gars. C'est bon, j'ai sonné. Il va sortir, il va croire que... On va voir s'il me reconnaît déjà, parce qu'avec tous les gens qu'il a dû avoir, il me reconnaît même pas. Bonjour. C'est vous qui avez sonné ? Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui... Il y a un facteur qui est passé, qui a sonné et après il a... Je pense que vous... Pardon ? Je vous connais. Je sais pas, peut-être. De où ? Vous étiez inscrit à Pôle emploi. Il est votre conseiller. Peut-être. C'est quoi votre nom ? Monsieur. Ça me dit rien. Ça me dit rien, monsieur. Vous avez pas une petite pièce par hasard? Non, monsieur, désolé. Mais je vous avais dit que vous allez finir comme ça. Vous étiez pas sérieux, hein? Ben, j'ai pas... Si vous pouvez aller plus loin. Et pourquoi? Monsieur, je veux pas de gens comme vous devant chez moi. Hors de question. Mais pourquoi? Pas de question. Bougez, s'il vous plaît. Mais j'ai le droit d'être ici. Je suis dans la rue. Je suis sur l'espace public. Non. Vous voulez pas que j'appelle les policiers? Ben, vous pouvez me donner une petite pièce? Si vous me donnez une petite pièce, je m'en vais. Non, monsieur, j'ai rien sur moi. Mais monsieur, oui, je me rappelle de vous. Vous m'aviez radié de Pôle emploi. C'est ça. Mais pour quelle raison vous avez fait ça? Monsieur, on ne peut pas donner de l'argent à des gens comme vous. Des gens qui veulent rien faire. Nous, on cherche des gens motivés. Mais je cherchais du travail. Non, monsieur, non. Je vous avais mis en garde. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de trouver du travail. Mais pourquoi vous dites ça? Monsieur, j'ai bien vu que vous étiez un fainéant. Vous n'avez pas voulu faire d'efforts. Regardez où maintenant où j'habite. Vous, vous ne l'aurez jamais. Mais j'ai cherché du travail, vous m'aviez radié, vous m'avez... Non, monsieur. Maintenant, s'il vous plaît, bougez. Mais j'ai pas envie de partir. Si je reçois de la famille, j'ai pas envie que les gens voient des clochards devant chez moi. Ouais, mais bon, j'ai pas d'endroit où aller, monsieur. En plus, je suis blessé. Monsieur, regardez. En plus, j'ai une attaque. C'est un problème. On vous a donné votre chance une fois, maintenant, c'est bon. En plus, vous venez manger devant chez moi. En plus, mais je savais pas que vous habitiez là, monsieur. Mais non. Non, laissez. Arrêtez. Arrêtez. Non, attendez. Ah, mais attendez. Je m'en fous. Ah. Prenez votre carton, vous partez. Mais je vais pas partir. Monsieur, pourquoi? J'appelle les flics, sinon. Mais j'ai le droit d'être ici, monsieur. Vous appelez la police? Non, mais ça va, n'appelez pas la police, ça va. Ça va, n'appelez pas la police. Mais aidez-moi. On a déjà essayé de vous aider. Vous avez pas voulu. Vous avez fait qu'à votre tête. Maintenant. Mais monsieur, vous m'aviez même pas. Vous m'avez proposé un travail et j'y suis pas allé parce que ça m'intéressait pas. Et vous m'avez. Monsieur, si vous aurez travaillé, vous aurez fini comme moi. Avec une villa, une voiture, des enfants, une femme. Et monsieur, vous travaillez toujours à Pôle emploi, vous? Non, monsieur, j'ai autre chose. Vous avez fait. Donc, pas vos affaires. Mais ça va. Pas vos affaires. Maintenant, vous dégagez. Mais. Je vais pas m'énerver. Mais ça va, mais il n'y a pas besoin. Pourquoi? Il a fait ça.
C'est bon ? C'est bon ? Allez, pousse ! Monsieur, l'humanité, ça vous dit quelque chose à vous ? C'est bon, je m'en bats les... Attendez, je suis blessé. Je suis blessé. Okay. De suite. Casse-toi de là, allez. C'est pas bien, monsieur. Casse-toi, dégage. Allez, vas-y, dis-toi. Il revient plus sonner chez moi, t'as compris ? Frérot, c'est un truc de fou, t'as vu le mec? Dis-toi, c'était mon ancien conseiller pour l'emploi, lui. Tu m'as dit que j'ai un conseiller pour l'emploi comme ça? Il m'a même pas aidé, même pas une pièce, t'as vu? Lui, frérot, il aime les enfoncer. Je sais pas, je comprends pas. Les gars, j'ai une méchante idée. Je vais préparer l'idée. Ça va prendre un peu de temps, ça va prendre quelques jours. Et je retourne le voir juste après. Mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo, vous aurez la totalité. C'est bon, t'inquiète, je sais ce qu'on va faire. Bon les gars, on se retrouve quelques jours après. On va retourner voir mon ancien conseiller. Vous voyez, je me suis sapé. En conséquence, les gars, j'ai fait un effort. Et pour une fois, on utilise le micro-cravate. Qui a à la base un sens micro-cravate. Cravate. Donc il est sur la cravate. Donc je vais retourner le voir. Je vais prendre la voiture, ma Tesla. Et je vais aller devant chez lui. Je vais sonner devant chez lui. Et on va voir s'il me reconnaît. Et j'ai une petite sentence pour lui, vous inquiétez pas. Allez, go. Bon les gars, je vais retourner sonner chez lui. Je vais sonner chez lui, les gars. Tente de pied ferme. On attend, j'espère qu'il est là, putain. Parce qu'en plus, il commence à pleuvoir. Eh, bonjour ! Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça ? Ah, ben écoutez, figurez-vous qu'il m'est arrivé un truc de fou. La dernière fois, vous rappelez, je faisais la manche. Oui. Vous m'avez dit de partir et tout. Oui. Ben aujourd'hui, regardez, j'ai pu m'acheter une belle Tesla. Voilà, je vais changer parce que le modèle, il me plaît pas trop. J'ai acheté un petit costume et tout, mais et je suis revenu vers vous parce que c'est grâce à vous. Comment ça, c'est grâce à moi ? Ben c'est grâce à vous. Et comment ça ? Vous vous rappelez quand j'étais là ? Que je faisais la manche. Oui. Vous m'avez dit, la seule chance pour que tu gagnes de l'argent, c'est d'aller jouer au loto. Vous avez plus de chances de gagner au loto que de trouver du travail. Mais pourquoi vous dites ça? Oui. Ou alors au midi. Oui. Vous vous rappelez de mon retour? Oui. Mais vous savez ce qui s'est passé le jour même, quand vous m'avez fait partir? Je suis parti au tabac. J'ai mis des numéros au hasard. D'ailleurs, il y avait le numéro de chez vous. Enfin, un numéro, je sais pas pourquoi, j'ai mis le numéro. Tous les numéros que j'ai joués, ils sont rentrés gagnants. Tous. J'ai gagné plus de 2 millions d'euros. Et du coup, c'est beau. J'ai pu m'acheter une voiture. Ah oui, c'est très beau même. Donc du coup, je voulais venir vous remercier. Voilà, c'est rien de plus. Je voulais juste vous remercier. Quand même, si c'est grâce à moi, je me dirais quelque chose quand même. Hein ? Vous venez de dire que c'est grâce à moi. Oui, c'est grâce à vous. Je me dirais quand même quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez, justement ? De l'argent. De l'argent ? Mais je croyais. On va pas cracher dans la soupe, hein. Ah ouais, si vous voulez. Moi, je peux vous donner la moitié, si vous voulez. À une condition. Laquelle ? Viens, bon, allez. Ça, c'est mon caméraman. Il m'a filmé. Ça vous dérange pas ? Non, allez-y. Ah, justement, il me filme. Il filme ma nouvelle vie, maintenant. Depuis, je vous présente Alex. Enchanté. Parce qu'on est en train de faire une série sur Netflix de SDF à millionnaire. Vous voyez ? D'accord. Du coup, voilà. Donc, tout part de ce monsieur-là. Et aujourd'hui, je viens pour vous remercier. Mais vous, si vous voulez de l'argent, je vous en donne. Et je peux même vous donner une très belle somme. Je peux vous donner 200, 300 000 euros. Je peux vous les donner. À quelles conditions ? Un petit challenge, on va dire. J'ai là dans la voiture. Dans la voiture, vous voyez, j'ai la chips la plus piquante du monde. Moi, je l'ai payé 14,90 euros. Mais c'est pour moi, je vous la fais cadeau, c'est pas un problème. Et regardez, et dans cette chips, vous connaissez ? Vous avez dit ? Non, vous connaissez pas ? Alors en fait, elle est très. Elle pique énormément. C'est le piment le plus fort du monde. Vous voyez, la chips se présente comme ça. Et dans cette chips là, dans ce paquet là, il y a une petite chips, toute petite. Si vous mangez cette chips, je vous donne 200 000 euros. 300 000, allez, je suis 300 000 euros, c'est grâce à lui. 300 000, c'est bien. On vous donne 300 000 euros si vous mangez cette chips. J'aime bien épicé en plus. Ça a l'air trop compliqué. Allez, vous êtes chaud ? Oui. Ouais, c'est pas qu'on vous filme. Non, allez-y. On peut faire ça ailleurs. Est-ce que vous voulez monter à la voiture avec nous? On s'en va. On peut faire ça devant chez vous, c'est comme vous voulez. On fait ça ailleurs, non? Allez, vous venez avec nous. Allez, dans la voiture, du coup, elle est toute neuve. Allez montez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la voiture? Franchement, je suis fier de vous. Vous voyez, vous avez dû m'écouter. C'est vrai, j'aurais dû vous écouter dès le départ. C'est normal que je vous en fasse profiter. Merci, c'est gentil. C'est la moindre des choses. C'est grâce à vous que j'ai gagné cet argent. Si vous êtes d'accord, mangez la chips. Oui. Je relève le défi, y'a pas de soucis. Allez, ça va. Pour toi, ça vaut bien 200-300 000 euros. Y'en a qui le font gratuit, ça. Ah, ça va. Par contre, c'est pas grave ce que j'ai dit la dernière fois. Vous m'en voulez pas. Écoutez, vous savez quoi? C'est vous. Allez, aujourd'hui, je vais changer votre vie. D'accord? Comme vous avez changé la mienne. Donc voilà, les gars, nous voilà sur les lieux avec notre ami. Ok? Donc je l'ouvre devant vous. Elle est là. Bon, voilà, les gars. Je te donne la chips. Quand tu veux, tu peux y aller.
Comme ça d'un coup. Allez, c'est parti. Ça va? Ça va là? Ça vaut le coup pour 300 000 balles, non? Ah, ça va? Ça va ou pas? Ah, il crache rouge là. Ça va? Ça va. Allez, pense aux 300 000 euros maintenant. Pense à l'argent que je vais te donner. Vas-y. Donne-moi du lait, J'ai du lait. Mais il faut que tu restes une nuit, sinon tu gagneras pas. Allez, concentre-toi. Allez. T'as bientôt gagné. De l'eau. Combien il reste là, 10 secondes. Allez, 9, 8, 7, allez, t'as bientôt gagné. 6, 5, 4, 3, 2. J'ai du lait. Tu veux du lait? Allez, vas-y, prends la bouteille. Allez, vas-y, prends la. Vas-y. Arrêtez, vas-y. Prends la bouteille. Allez. Non, s'il vous plaît, j'en peux plus. Allez, du lait. S'il vous plaît, j'en peux plus. Vas-y, prends la, vas-y. Allez, allez, tu peux y arriver. Oh putain, vas-y, chope-la. Chope-la, tu as pas mis. C'est une chance, je sais pas. Tiens. Vas-y, vas-y. S'il vous plaît. Tiens, prends la bouteille. Prends-la, vas-y. Chope, vas-y, tu l'as presque. Vas-y, presque. Allez, il a pris, vas-y, prends-la. Donne-moi une autre bouteille, s'il te plaît. Donne-moi de l'eau. J'ai pas d'eau. J'ai que ça, si, j'ai que ça. Oh, tu sais quoi? Dans cette bouteille, y avait pas de lait. C'est pas grave, mais j'ai gagné 300 000 euros. Ah oui, alors ça c'est un autre détail. En fait, j'ai pas de lait, j'ai pas d'argent, j'ai pas gagné à l'euro million, et j'ai travaillé pour arriver où j'en suis là. Par contre, la voiture elle est à moi, le costume aussi. Cependant... Tu étais SDF la dernière fois? Oui, je vais y venir. La dernière fois j'ai fait semblant d'être SDF et d'ailleurs on t'a filmé aussi. Non, tu te verras certainement. Sur YouTube parce que je fais des vidéos sur YouTube. Franchement, mets-moi de l'eau. Mais attends, de l'eau. Y'a pas d'eau. De l'eau s'il te plaît. Y'a pas d'eau. Putain. Bon, je te laisse. Ça va? Sans eau ça doit être très très compliqué les gars. Bon. Je te laisse tranquille. Allez. Tu vois, j'ai soif. Merci. Non, ça c'est pour moi. S'il te plaît. Hey. S'il te plaît. Tu veux la bouteille ou pas? Oui, s'il te plaît. Allez, ça va, je te la donne. Ah putain, non. Mais si. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, tu m'as dit que tu voulais la bouteille. Tiens, prends la bouteille. Il est con, lui. Tu m'as pas dit que tu voulais. Putain, oui. Il m'a pas dit qu'il voulait l'eau. Il m'a dit qu'il voulait juste la bouteille. Où il va? Non. Qu'est-ce qu'il tient le pantalon? Qu'est-ce qu'il fait? Il boit dans la flaque. Il boit dans la flaque d'eau. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, moi je comprends rien, je te jure. Bon les gars, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors le message que je voulais faire passer, c'est de pas juger les gens à leur apparence, les gars, parce que il y a vraiment des gens qui jugent juste à l'apparence. Et comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Et si vous pouvez aider quelqu'un, parce que ce conseiller-là, il y a des années en arrière, il pouvait m'aider. Il aurait pu m'aider, mais il l'a jamais fait. Et aujourd'hui, j'aurais pu l'aider, mais je ne l'ai pas fait à mon tour non plus, parce que j'en ai marre d'aider des gens qui ne nous aident pas et qui ne m'ont jamais aidé. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il faut aider les gens, même si vous en faites du mal. Moi, non, tu me fais du mal, je ne t'aide pas. Donc, faites du bien, et en retour, vous recevrez du bien. C'était Kamoff, force à tous ceux qui travaillent à Pôle emploi, force aussi à tous ceux qui sont candidats à Pôle emploi, parce que des fois, c'est pas évident. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine ou une bonne journée, selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne principale Kamoff. A bientôt et ciao, ciao. Visionnaire, on fait tout nous-mêmes, on s'est méfié. Des gens qu'on aime, plus rien n'est cassé.